Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Avant toute chose les amis, on n'oublie vraiment pas de s'abonner. Surtout pour la vidéo qui va dessus, parce qu'elle va fortement vous intéresser. Donc je demande s'il vous plaît de vous abonner. Voilà, il y a plus de 80% des personnes qui regardent la chaîne YouTube à ne pas être abonné. Ça vous coûte vraiment rien, donc s'il vous plaît faites le petit effort, le petit geste pour vous abonner. Voilà. Ça fera plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Donc les amis, n'oubliez pas que dans la description, il y a deux Discord. Donc un Discord communautaire où on verra tous, mais vraiment de tous. S'il y en a qui s'intéressent pour créer une petite communauté autour du multigaming sur le Discord, bah, n'hésitez pas. Voilà, on peut parler de tout ce qui entoure le jeu vidéo ou même parfois les développeurs, les trucs dans le genre. Je sais qu'il y en a deux ou trois qui sont devs sur le Discord déjà communautaire. Donc voilà, on peut parler un peu de tout ce qui entoure le multigaming et la technologie, même pourquoi pas, hein, l'espace, des trucs dans le genre, c'est très intéressant. On a le Discord, deuxième Discord, le Discord de la corporation de Star Citizen sur de la DGTMFR, pardon. Donc elle est ouverte à tout le monde, si vous avez le jeu, bien sûr, pour avoir le jeu, hein, autrement il n'y a pas trop d'utilité. Donc c'est une corporation qui accueille toutes sortes de joueurs, donc que vous soyez nouveau, ancien, vétéran, ancien joueur, même ancien joueur, je veux dire. Parce que ancien joueur, il y en a qui ont arrêté le jeu il y a très longtemps, qui peuvent avoir l'envie de revenir sur le jeu. Donc sachez que c'est ouvert aussi à vous, que vous soyez solo même ou en groupe. Voilà, si vous êtes sérieux, normalement il n'y aura pas de problème. On recrute toutes les personnes qui sont sérieux, qui ont l'ambition de d'emmener notre corporation. Quand je dis notre corporation, c'est tous ceux qui font partie de la DG Team le plus loin possible et même pourquoi pas écrire l'histoire de Star Citizen avec notre corporation. Donc tous ceux qui ont cette petite ambition, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est ouvert, c'est dans la description, c'est open, let's go les amis. Pour tous les nouveaux comptes ici, tous ceux qui créent un nouveau compte, n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage les amis, c'est gratuit et ça fait gagner 5 000 AUC en plus à chaque mise à jour. D'accord? Et moi, ça me met sur mon quota de parrainage. Donc, alors merci en tout cas, à tous ceux qui le feront. Et n'oubliez surtout pas, les amis, qu'on est en live sur YouTube et Twitch. La plupart du temps, maintenant, c'est sur YouTube tous les soirs, en règle générale, à 20h30, à peu près. Donc, je compte sur vous pour être présent et donner de la support pendant ce live. Voilà, les amis. Donc, pendant cette vidéo, ça va être une vidéo assez particulière. C'est une vidéo où je vais vous montrer comment vous faire des millions d'AUC rapidement, mais difficilement, oui et non. Ça va être juste assez compliqué pour certaines personnes parce qu'ils n'aiment pas être crime stats. Mais là, pour être crime stats, pour gagner des millions, voilà. On parle du coup des œufs de Charançon. Donc c'est les petites caisses vertes que vous verrez dans la suite de la vidéo là, les petites caisses vertes. Donc comment on fait pour avoir ça? Donc forcément déjà vous allez être crime stat là, comme vous voyez en bas à gauche, vous allez être forcément crime stat, donc pas obligatoirement crime stat 5, d'accord? Qu'on soit bien d'accord avec ça les amis. Hein, il n'y a pas de niveau en fait pour le crime stat pour la mission. Ce sera surtout bien entendu. Comment dire, selon ce que vous faites en fait. Si par exemple au Crime Stat 2 vous voulez arrêter et vous barrer, aller payer votre amende, vous pouvez. Forcément ça rapportera un peu moins, mais ça vous rapportera toujours. Donc je vais y venir, comment gagner, comment réussir cette mission. Je vais y venir, vous inquiétez pas. Donc les œufs de Charançon, c'est ce qui vaut actuellement le plus cher dans Star Citizen. D'accord. Et là, apparemment, il y a des missions dans le verse qui nous permettent de les avoir, on va dire, en un peu plus grande quantité que ce qu'il y avait pendant très longtemps dans Star Citizen. Donc, je vais vous le dire comment. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer quand même, parce que ça vous montre aussi que on a fait un live sur ça aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, bon là je suis blessé parce que j'étais à 3 millions des boîtes, là je suis à 9 000, à 2 976 000 d'amende. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, à partir de toute façon du niveau 2, vous pouvez plus les payer. Donc comment avoir ces missions? Donc je voulais, comme je vous l'ai dit, vous aurez une chance de dropper ces œufs quasiment à chaque mission que vous ferez dès que vous serez au level qu'il faudra. D'accord? Donc même si c'est pas
des grosses quantités. Parfois, vous allez tomber sur 1, 2 ECU, 3, 4. Et parfois, vous allez tomber sur une soixantaine, voire 70 SCU. Donc, ce qui est énorme, d'accord? On est tous d'accord sur ça, c'est énorme, 70 SCU. Donc, les amis, déjà, avant toute chose, vous allez dans Contrat. Vous allez dans Off. Ici, vous cliquez là, vous voyez en haut à gauche, faut que ce soit illégal, faut que ce soit en rouge, d'accord? Vous allez dans Mercenaires. Et en fait, vous allez avoir une mission d'un mec qui va s'appeler Vogue. D'accord? Donc lui, c'est une mission de lui qu'il faudra. Donc il va vous tester en gros. Une petite mission au début là, de pas grand-chose, qui va vous tester pour savoir si vous êtes capable de tuer des personnes pour lui ou pas. Donc c'est de l'assassinat. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez avoir forcément des crime stats. Donc l'assassinat, hein, c'est pas bon. Donc forcément crime stats. Mais du coup, c'est Vogue. Donc en fait, vous faites pas chier les autres joueurs, vous tuez des PNJ. C'est surtout ça là. Hein. Là, hein, vraiment, ça va être plus PNJ. Donc, dès que vous prenez une mission de Vogue, vous regardez là par exemple. Après, attention, parce qu'il a la réputation avec Vogue. Et nous, on a commencé à trouver des œuvres de Charançon à partir de assassin, on va dire, pour être honnête, en toute honnêteté. Assassin et assassin de grande valeur, c'est les niveaux où on va dire là où on a le plus. Et plus, forcément, plus on avance, plus on en a. C'est aussi votre cas si vous arrivez à Assassin. Moi, je vous conseille toujours de prendre les missions, comme je vous dis, dans les astéroïdes de là. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème et ça va continuer à vous faire grimper votre réputation. Donc, le but, c'est quand même, vous commencez à faire des petites missions à droite, à gauche, des petites missions. Pas très 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 ouf, hein. On parle par exemple faire des bunkers, des trucs dans le genre, ou même tout simplement dès que vous arrivez, dès que vous voyez astéroïde là par exemple, on voit c'est sur une grotte Hearthstone, on prend pas. Là on voit que c'est sur Hearthstone, généralement moi je prends pas personnellement. Là par exemple je vois que c'est lourdement près d'un accompagné d'une certaine des certains chevronné pour être ok, donc ça veut dire que c'est ça, c'est bon. Celle-là, faut la prendre parce qu'elle les passe dans un bâtiment. Par exemple, on vous dirait ouais, 35 000, viens la prendre celle-là. Non, parce que tout simplement, c'est à l'intérieur d'un HDSF, donc faut rentrer dedans. C'est comme si vous faites un bunker en fait, les amis. Celle-ci, par exemple, qui vient de pop, voilà, celle-là, c'est parfait. Astéroïde entourant, il est là au bord d'un vaisseau fortement fortifié. Donc, ça, celle-là, elle est ultra importante. Je vais la prendre pour la partager au pote actuellement. Hop, je la partage. Comme ça, ils l'ont. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah, j'espère que malheureusement, la vidéo que vous allez voir a été tournée en live. Donc c'est pour ça que je fais une petite aparté pour vous expliquer tout ce que je viens de vous dire. Parce que on était en live, donc j'ai pas eu le temps d'expliquer. Donc ce soir-là, en 2 heures de temps, je dirais, on a fait quasiment 20 millions d'AUC. Donc c'est plutôt worth, surtout qu'on a pris notre temps. Hein. Moi j'étais en stream, je discutais avec les viewers, après on discutait même entre nous, on rigolait. Et même vous allez voir qu'il m'arrive une petite couille, j'ai explosé avec plein de bugs. Faut pas oublier qu'il y a énormément de bugs en ce moment sur Star Citizen, mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Donc avec tous ces bugs, je trouve que 20 millions en 2 heures, c'est quelque chose de plutôt worth. Et quand je dis 2 heures, même je suis large en termes du temps, parce qu'on n'a pas mis 2 heures à faire toutes les missions. Mais voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous kifferez la petite vidéo qui suit. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire, et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Justement. Si c'est ça gros, tu sais que c'est... Si c'est vraiment tes œufs dans un constat comme ça là gros. Mais après, c'est possible, hein. Bah plus trop de nos jours. Allez, s'il te plaît, pète pas. Oui, il a pas pété. Allez, je vais voir ça. J'ai que ça. C'est ça, gros. Oh, c'est le jackpot. Alors, c'en est. Oh, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu des caisses comme ça. Je crois que c'est des CDC. C'est des big, big, big Scar. Viens sur mon live si tu veux. Venez voir. Ah, mais attends, je finis ma quête et j'arrive. Mais comment je vais les sortir de là, moi?
Bah, tu ouvres la soute. Ouais, non, merci, c'est vrai. Tu prends ton tool et puis voilà. Merci pour ton aide, c'est vrai. Sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait. De rien. Tu les prends même avec ta souris, toi. Et tu les mets dans ton vaisseau. Voilà. Tu devrais faire des tutos, c'est vrai. Ouais. Tu gagnerais ta vie énormément avec ça. Hein. Parce que là... Non, mais non, mais putain, dès que tu sautes, en fait, il va jamais s'accrocher ici. Merde. Ouais. Comment je vais faire pour grimper là-haut? Oh, je fais... Oh là là, ça fait combien de millions, ça, 32 SCU? C'est pas 4 millions. Attends. C'est des SCU, 4 millions 32 SCU? Ah, c'est 100 000. Donc, un peu plus, quoi. Tu comptes 3 millions 2, quoi. Mais t'as un peu plus, quoi. Ça choque qui d'avoir un transporteur là et de nous suivre? Je te dis, je finis ma quête et j'arrive. Ouais, non, mais avec un transporteur? Je vais sauter à Everus. Ok, vas-y, let's go. What? Non mais attends, c'est complètement cheaté ça. Qu'est-ce qu'il y a de... Ouah mais gros, ça y est, on a trouvé un nouveau filon, bref. Il y a de la Néo. Il y a plein de petites caisses de Néo. What? Non mais ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu de CCU là en neuf quand même? Ah t'en as 16? T'en as pas 32? Non, 32, mais deux caisses de 16 quoi. Moi aussi, j'ai eu 40 CCU. Donc je dis sur les 7 millions 2, c'est vrai? Tu n'as rien gardé là? Si, j'ai pris les 50 000 de... Ouais, t'aurais pu même prendre... Le... T'as même plus prendre les 200 000, gros, ouais, je sais quoi, t'as cru que j'étais un rat ou quoi? Et c'est, Scar, tu vas te plaindre qu'on arrive à faire des millions en quelques minutes, c'est ça? Non, c'est que le calcul est pas bon. Notre calcul, à la limite, ouais. Non. Bah non, gros, 32 fois 112 000, ça fait pas 7 millions, ça te fait pas 7 millions 2. Hein. Bah c'était les grandes caisses longues, donc je pense que c'est... C'est eu, ça, les grandes caisses longues. Ah mais non, les grandes caisses longues. D'accord. Mais c'était deux caisses de 32 en fait.
Ah bah... Peut-être bien que je me suis trompé sur... Peut-être bien que je me suis trompé sur le nom des CI. Effectivement, il doit y avoir un petit... Il doit y avoir ça, peut-être. Ah oui, mais d'accord. C'est... Oui, c'est pas... 64 et CU, là je comprends mieux. Là. Ah ouais, 64 et CU... Ouais, non, mais... C'est... Ça arrive, hein. Oh, ça... À quelques SCU près, hein. Ouais, juste le double. Ouais, et puis de toute façon, c'est les millions, mais ça mère, hein. Oui. Eh ben, si tu envisages, si vous envisagez, même toi, électron libre, hein, si tu envisages, vous envisagez de rejoindre une corpo, sachez que la nôtre recrute, voilà, sachez-le, on recrute tant que vous êtes des personnes, tant que vous êtes des personnes bien, hop là, gentilles, cool, agréable, qu'on peut passer des bons moments, que vous êtes envieux de rejoindre une corporation, n'hésitez pas, les gars, hein, le Discord, il est dans la description de la vidéo, enfin, du live, là, du coup, et de la vidéo. Passer les passer le recrutement si ça vous intéresse. J'arrive. Ah mais t'as déjà les CU de Scarte dedans. Non, c'est les miens. Ah c'est les tiens. Hop là, petite caisse en plus. Et du coup, c'est quoi faire la Star Farah en vrai, hein. T'as une tourelle là-dedans, ouais. Oh, oui. What? Mais what? Le jeu, quoi, putain. Scar est au bout de sa vie. Mais c'est un enfer. Le problème, c'est que... On va le scanner avant, parce que s'il arrive... Bah, c'est pour la mission sur Dofus. Ah, c'est une mission? Ah, ouais, c'est une mission. Je peux pas partager, alors... Mais je peux pas, j'ai le bug et que vous la recevez pas. Bah, pourquoi je peux pas tirer, moi? Bon, il va falloir encore 3 quarts d'heure pour que l'écran d'or se termine. Ah ouais putain, il chauffe rapidement le salaud. C'est bon. J'ai fou de bug. C'est le combat, il s'est pas passé comme moi je le voyais, hein, je te le dis. De quoi? J'ai dit le combat, il s'est pas passé comme moi je le voyais, hein. Oh, il a 43 SCU de Charançon. Oh. 235 SCU de... De Néo? What the fuck, gros? C'est vrai, tu viens toujours avec ton... Avec ton cotru? Il va péter au sol. Rappelle-toi, la dernière fois qu'il y a un pilar, gros, il a pas pété. C'est robuste, hein, Starfire. Hein. Ça valait le coup de le faire, finalement. Bon, par contre, les 243 SCU passeront jamais. Hein. Non, mais je pense que si ça veut bien venir. Oui, je vais arriver. Ça fait quand même 50... c'est 50k de plus, quoi. Après, c'est pas énorme, j'avoue que. Non, c'est plus de 50. Non. Oh, c'est plus que ça, quand même. Néo, ouais, c'est... Non, ouais, c'est plus parce que. SCU, ça fait beaucoup, 243 SCU. Ouais, non, c'est plus parce que tout à l'heure, on avait 32. Non, te retourne pas comme ça, saloperie. Ça fait 200 000. Salope. 200 000, encore, ok. Ah, c'est quand même prenable, même si... Sale enculé, il a pété, putain. Les œufs, normalement, ils vont rapporter 10 fois plus que ça. Ils vont disparaître, les œufs, surtout, là, avec l'explosion. Non, déconne pas, hein, dis pas des choses comme ça. Il avait combien, on a dit Nous, il vient d'exploser, le Starfarer, il a tout gardé. Hein. Ah oui, je les ai décrochés aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh, presque plus rien, là, si. À côté, là-bas. Plutôt au cul à lui, hein, je vais aller. Gaffe, t'as. What? Mais, mec, essaye d'être moins pressé la prochaine fois. Ah non, mais c'est pas le fait d'être pressé là. Oh, je viens de faire un vol plané, mon gars.
Ah ouais, putain, il est à l'envers. Ah ouais. Vais la galère que ça va être. Alors là, j'ai une de néant. Ouais, là, il y a du néant. Mais à mon avis, les œufs, ils ont tout pété. Tiens, c'est encore attaché au rad. Bah là, j'en... Je crois que j'en ai, non. Tu veux que j'essaie de te poser dedans? Bah ouais, si tu te sens capable. Ouais, j'en ai vu une. Vas-y, hein. Ta mère. Hop. Donc en fait, si on compte la soirée là, on va dire quoi on s'est fait quasiment 20 millions quasiment. C'est pas fait. Ah t'as pas encore vendu. Ouais, mais bon, 8 millions plus 7, plus là ce qui va être vendu.